rentres en force contre nous et tu attaques là-bas. Tu nous laisses à nouveau un trou. Deux trous pour le moment. C'est sublime. Eh bien, visez-moi ça. Visez-moi la petite entrée qu'on va faire là-bas. Et oui, c'est 46. Et là-bas, tu te recules. Pour le moment, on est pépère dans ces endroits-là. On est bien, comme dirait M. Kowinski. Et puis, tac, on se prend un gros coup sur le nez. Onohome nous a déclaré la guerre, ça c'est un peu dommage, pourquoi tu fais ça mon ami alors que tu es déjà en plein en guerre avec l'autre. Lost Relation score 8-6 leader, mais on arrive bientôt au bout de cette histoire là. On a fini le Vidacom, on a le Water Purification, on a fait notre nouveau développement, on va... ça a été vite quoi, 240 BP que ça m'a coûté normalement pour faire ça. Voilà, on a découvert le bazooka. Light Armor Assault Army, on en a plein. Et voilà, enfin, et c'est un très bon. Je crois que c'est plus 20 en militaire, ça, non? Protocole Android. On va voir, protocole. Protocole serait peut-être plutôt de nouveau, peut-être du charisme, ou je sais pas. Tarif export. Free mouvement. Oh. Ça pourrait être intéressant. Celui-là, c'est pas le meilleur, mais ça, c'est bien aussi. On a quelques bons petits trucs. On a quelques bonnes petites choses, messieurs. On a surtout des très bonnes petites choses ici. Ouhouhou. Ouh là là. Je crois que... Et en plus, ils sont retirés de chez nous. Ils ne restent plus là. Tu nous as déclaré la guerre, tu nous dis. Mais où est-ce que tu nous as déclaré la guerre, mon ami Onron? Tu es venu sur notre territoire. Je crois que c'est ce truc-là que tu nous as piqué, peut-être par rapport au tour d'avant. Pas sûr. On pourrait demander la paix, hein. Simplement aussi, ça pourrait se faire vite fait. Mais c'est pas ça notre but actuel. Donc là, tu as de nouveau fait une route pour raccorder ton asset, cher ami. Hein, t'en avais besoin de cette agriculture-là, mon petit. Hein. Oui. Et cette ferme-là, pour le moment, si je viens ici dedans, mon cher ami, c'est terminé. Ou même ici, n'importe où. Je te coupe le passage. Et tout ça va mourir, même s'ils sont à côté d'une ville. Parce que cette ville, elle n'a plus rien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a de l'agriculture. Une dôme farm qui sont occupés de construire. Maintenant, est-ce qu'il a des ouvriers? Tu sais pas, hein, ici, s'il a des ouvriers. Moi, ce serait là l'endroit que je voudrais venir. Ouais. De toute façon, on peut y aller. On peut le bouffer, celui-ci, dans tous les cas. Maintenant, où est-ce qu'il a mis son gros char? Alors, il a des Geschultz qui tire à 62. Et nous autres, on va lui mettre notre, de toute façon, celui-ci. On va l'avancer pour faire de la contre-batterie. Bien entendu, ici. Ça, c'est une bonne chose faite. Ça appartient à Orman. Mais c'est un excellent emplacement. Le problème, c'est ces deux petits trucs ici. Bon, qu'est-ce qui te reste? Il te reste plus des tonnes, hein, mec, là-dedans. Mais tout est en défense, malheureusement.
tout ça, c'est que de la rifle milicien. Et donc, toi, c'est le premier SHQ. Qu'est-ce que t'as comme asset là-dedans? Tu dois avoir une bonne série, quand même, hein? Tu dois en avoir une bonne série. Mais tu n'es qu'un niveau 1. Ouais, t'as pas des tonnes, et en plus t'es occupé de construire des trucs tellement inutiles, du biofuel, de la déhydratation. Ça c'est 4 tours left, c'est complètement débile ce qu'il fait là. Hein. School, parc, casino, hospice, police station, j'ai vraiment pas envie de tuer tout. Et un light industry 2. Bon, on va commencer par les rapports, comme d'habitude, hein. Désolé d'avoir perdu tout ce temps-là. Donc nos rapports, worker support, on perd un petit peu. Archéologie, dis-moi que tu m'as trouvé un nouvel artefact, s'il te plaît. C'est bon, ben, t'as vu tout ce qu'il y a pourtant à trouver. Décision. 26, on n'a rien eu du tout d'intéressant cette fois-ci. Double shift et double shift par contre là. La victoire, on est toujours bon. Au niveau du pourcentage de planètes, on est second populace et on est second victory score. Donc toujours, c'est parfait. Culte et secte, c'est des bons, hein, si on a des bons cultes, hein, nous autres ici quand même. Hein. On a des bons. Alors, le profil, il reste comme il est, donc on est toujours parfait. On a tout qui est bien là-dedans. Le trésor, c'est parfait. C'est parfait. Et on est toujours 100 points supérieurs. Les demandes, on va y être bientôt. Les factions, elles sont toutes en très bonne truc. Le prochain tour, c'est voilà. Normalement, ça devrait être de nouveau, à mon avis, la Justice 3, 5 Justice Knight et 5 Equality Circle. Là, pas grand monde toujours. Par contre, lui, il manque. Tu m'embêtes, Frédéric. Messieurs, vous êtes tous en vert, sauf nos deux personnages ici. Et je pense que c'est tout. Relation, Laurent, Catio, on s'en fout. Wislow, HQ Power. Ah, la quatrième MG a un problème. Deux unités. Donc là, on va un petit peu faire attention à ça. La quatrième, c'est celle-ci. Et tu as un problème avec deux unités, à mon avis, des unités qui sont là. À mon avis, ouais. Donc, il faut que je te ramène. Disons que si je te ramène par ici, ça ne devrait plus poser de problème. Dans tous les cas, voilà. Et ça ne pose pas de problème ici non plus. Hein. Alright. Ça, c'était les jaunes. Hein. Les jaunes, bon, les bleus, tout ça. Bon, ben, je crois qu'on n'est pas trop mal. Il nous le dira de toute façon s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi aussi, tu es encore bon. Bon, décision. Nouvelle organisation, oui, il m'en faut une. Et on a que ça. Ok, on va se prendre, bien entendu, on va se prendre ceci, 50 pp, parfait. Ensuite, je voulais regarder ici. Toi. 2000 line troops que j'ai oublié de virer le coup précédent et qu'on a occupé de payer pour rien. C'est complètement idiot. All right. Et 50 AG que nous ne voulons pas continuer à payer non plus. On les scrape aussi. Scrap. Bon.
En fait, ces canons-là, ils sont en défense, ouais. Mais ils ne sont quand même pas ultra puissants. Ils n'ont que 50 ici. Il faudrait. Je peux. Parce que si je les bute moi directement ici, Vilaïmnitz, il n'a pas des tonnes de trucs. Il a quoi? 300. 300 soldats niveau 2 et 200 niveau 1. Niveau 1, il a 148, il tape de 74 quand même, ouais. Plus. Tape de 100, allez. Mais donc 64. Et ça, donc, ça te donne 40 en défense. Par contre, tu vas péter moins en attaque, ok. Et t'as que 200 machine gunner de niveau 1. Ouais. Ils sont pas beaucoup quand même, hein, au nombre d'hommes. Là, il te dit que j'ai. Il en verrait 22 là-dedans, mais moi je vois jamais grand-chose. Je vois pas grand-chose là-dedans. Hein. Il y a 10 avions. 900 rifles miliciens, c'est de la milice. Hein. Et ça, c'est aussi de la milice, avec 500 quand même normaux. Est-ce qu'il a autre chose? Ici, c'est quoi ça? Ici, c'est Rome. Donc, eh bien, il n'a plus que ça. Donc, si je viens sur Wilhelm, qu'est-ce qu'il a, Wilhelm? Il a encore une petite partie ici, on dirait. Hein? Là-bas, tu me dis que c'est Wilhelm. Donc, Wilhelm, il n'a plus que des trucs par ici. On ne sait pas où, mais. Oui, on ne sait pas vraiment grand-chose de lui. C'est peut-être juste une unité, hein, on ne sait absolument pas. Donc, logiquement, si j'ai de la chance que j'arrive à le prendre, ben, c'est bien possible que toutes ses forces disparaissent. Ça. Non, il reste 9 bons hommes, ils sont même pas en défense dans l'agriculture là. J'envoie une unité, j'ai assez pour le buter. Est-ce que je pourrais. T'as 82, il resterait 42. Est-ce que je peux faire un. Ah oui, mais si je te fais un move, même rapide, ça n'ira pas. Même rapide, je serai à zéro. Je serai à zéro. Écoute, voilà ce qu'on va faire. On va tenter le coup. On va tenter le coup. On va tenter le coup avec. Alors là, si je passe ici, j'ai que 32. Là, j'ai 22. Ok. On va prendre un maximum. On va se foutre totalement de l'entour. Parce qu'on aura quand même plus de force qu'eux. Toi, tu viens contrecarrer ici, ça. Non, toi est 13, 53, moi 33, c'est même pas la peine. Toi, tu peux. Toi, tu peux aussi. Ici, nous avons le char. Dommage que j'en ai que 3, mais si je veux en rajouter un, je me fais avoir combien? 44, 34. On prend le 34. Je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Si maintenant je viens dans mes cartes de stratagème, que je vais dans mes. J'ai une carte d'infiltration. Plus 40, moins 30 en défense. J'ai quoi? J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5. Ça, c'est de l'infanterie. Si je mets. Plus 40% en attaque de tous mes gens ici. Ici, j'en ai que 2 brins. Et ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Les infanteries, c'est pas les guns. Hein. Donc là, je n'ai que de l'infanterie et du gun. Donc, on va prendre ce monsieur ici. Et je vais lui mettre cette carte-là.
Oui, ah, c'est fait. Donc c'est bien sûr le commandeur de la seconde light, hein? La seconde light, ok, c'est bien juste. Donc on a infiltration. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça, pour le moment, je m'en fous. Dans mes leaders, non. Attends, mets-toi un petit peu en smoke, là, parce que sinon, tu vois plus rien du tout. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui serait intéressant là-dedans? Non. Dans les unités, je pourrais me mettre un mystique priest. Dans mes... Le readiness, celui-ci qui perd le plus de readiness, d'accord? Donc, first indépendant à un artillerie habite, voilà. Donc, je te fais, non pas du spotter parce que j'ai pas envie de les perdre, de le perdre tout de suite. Je veux d'abord que tous mes trucs soient corrects, parce que je vais me reprendre de la contre-batterie. Si j'attaque avec eux, je me prends 10 artilleries sur le nez. Donc même si j'ai un spotter drone ici, je risque de le perdre, perdre 2 points, je ne veux pas. Par contre, le moral, je n'ai pas de problème, mais j'ai plus de problèmes au niveau de chaque fois qu'on tire, que je joue, là, je perds beaucoup de readiness avec eux. Donc eux, je vais leur mettre un, et là, c'est pas grave, j'en ai beaucoup, je vais leur mettre un truc comme ça. Voilà, ils ont un Mystic Priest. Et en plus, ils récupèrent du pognon. Je n'ai pas pensé à ça, tiens. Oui, c'est juste. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je ne pense pas que ça j'ai besoin. C'est plus du moral. Ça, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de trop perdre de points non plus, de trop, actuellement. Donc, on ferait comme ça. Toi, tu as quoi? Tu n'as pas de problème de moral. Toi, c'est pas grave, t'en as 77, mais ça va quand même. Et vous autres, vous avez un petit quelque chose pour vous aider? Ouais, je pense que... Toi, tu n'as rien. Hein? Je vais aussi te mettre un readiness. Voilà. Et on va... attaquer ces gens-là. On va commencer par une petite attaque d'artillerie. Je peux pas venir avec mes avions parce que... Bah, je viendrai bien avec mes avions, mais ils sont pas prévus pour ça, ils sont prévus pour l'exploration. Mais ça serait peut-être pas mal de faire une petite attaque. Bon, il y a des fighters. Ces fighters, ils font combien? Attends une minute, qu'on vérifie ça. Toi, tu as des fighters ici, mais... Il y en a, tu n'en aurais qu'un, mais je pense qu'il doit en avoir plusieurs. Tu as 142 et 60 d'attaque. Et 21 dogfight. 142, 60 d'attaque. Moi, j'ai... On va prendre celui qui a le moins d'XP. J'ai moins de points, mais j'attaque plus fort. Ben, pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. On pourrait même les prendre tous. Ok. On va tester ça. C'est amusant. Pourquoi pas? De toute façon, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour récupérer des points après. On va commencer par une ranged attack. Non, on va commencer par une air attack. 1, 2. Ah, je suis 1 contre 5. Tant pis, on s'en fout, on y va. On est, plus on est de fous, plus on rit. Boum. On se fait toucher. J'en perds un. Et en plus, c'est mon numéro 2. Oh, j'en perds 2. Oui, le problème, c'est que lui, il n'en a rien à cirer, il est en broken true. Ok, mais j'en ai perdu 2, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était lesquels, ceux qui avaient le plus d'expérience? Non, c'est ceux qui avaient le moins d'expérience. Espérons que j'en perde pas plus que ça. Non, j'en perds pas plus que ça, mais j'ai super bien ouvert, je suis à 253. C'est pas plus mal, hein.
Ben oui, je perds quand même 2 bidules, mais... C'est pas le plus important. Mais j'ai super bien ouvert maintenant mon chemin ici. Non. On continue, on attaque avec... Ranged Attack. Boum. Tu me mets que je vais perdre. 1, 2, 7, parce qu'il en a 10, effectivement. Mais le mien est plus costaud. Et je vais faire ça que 4 fois, donc on va y aller. Allez, montre-moi un petit peu ça. Je touche. Eh bien, c'est parfait, on a touché 3 fois. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Mais c'est mieux que rien. Et maintenant, on y va. La totale. Vas-y ma poupoule. Et c'est parti mon kiki. Allez, on est, plus on est de fou, plus on rit. On n'a que moins 3. Donc ça va. On a 1.9. Allez, on espère qu'on va réussir ça. C'est surtout mes chars hein, qui vont réussir le tour. Hein. À mon avis, hein. Bon, y a 2 pages. Quoi. Allez, on y va. Et ça va être surtout mon problème, c'est que j'attaque avec 55. Quoi. Heureusement, là, j'ai un petit peu plus. Allez. Je touche pas mal du tout. Et il n'a pas fait des scores exceptionnels, et moi, j'ai un petit peu de points partout, donc c'est parfait. C'est parfait. On continue. C'est très, très bien parti. 70 à pique, j'ai encore la main. Ouais, 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 c'est mes 2 meilleurs, ça, alors, quoi. Hein? Next. Tous ces canons ont déjà retraité. Oui. On est à l'aise. Oui. Il reste plus grand chose, hein. Faut qu'on tienne. Je pense que ce coup-ci c'est fait. Oui, c'est fait. On vient de. On vient de buter la capitale de Vilnius. Limite. Mais on les a eu. Bon, il y en a une bonne série qui retraite. Une bonne série aussi qui sont. Eux, ils peuvent pas résister puisque. Ils ont besoin de leur piste d'atterrissage, donc je viens de la piquer, ils sont bisés. Ça, je viens de leur prendre tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont plus de truc station, et donc ils n'ont plus des HQ. Tout vient de passer ici, normalement, maintenant. Maintenant, eux, ils ont ici, enfin, on devrait leur voir, leur capitale va venir ici. Et donc, on va se faire un petit plaisir de se faire une capitale. Avec qui est-ce qu'on va prendre? Mes meilleurs, c'est toujours ma first, c'est ceux-ci, hein, les meilleurs, je crois. 26 XP, ouais, mais enfin, n'importe lesquels, hein. Et là, voilà, on va attaquer avec ceux-ci. Boum! 10 contre 1, 23 contre 1. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus que ça. Next round. Allez, petit gars. Butez-moi tous ces petits jeunes-là. Attacker One, c'est fait. Bon. Eh bien, voilà. Voilà qui est bien. Voilà qui est même très bien. Très, très, très bien, je dirais. Bon, on va rentrer là-dedans. Hein. Là, je peux pas.
Je ne vois toujours pas leur gros char. Donc ça, c'est à qui ça? C'est à Carreca et ça, c'est à Wilhelmitz. Hein. Il te reste combien? Si tu viens là, en 35 AP, dans les... tu pourrais pas redescendre sans doute. Donc toi, tu peux... toi, t'as un coup de sang, toi. Ouais. Toi. Ouais, 68. Ouais. Allez, viens là. J'aimerais bien ici, hein, même... C'est une belle, un bel endroit, quand même, là. Mais on n'est pas pressé à ce point-là. C'est pas la peine, on a gagné suffisamment. C'est pas la peine de risquer un peu plus de problèmes que je n'en aurais. On va rentrer à l'intérieur, de toute façon, ici. Un seul jaune, toi. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas beaucoup. Hein. On va continuer à rentrer dedans. Je vais plutôt rentrer ici. Hein. Attends, tu viens là. Et je veux un jaune ici. Voilà. Il y en a un seul ici. Parce que j'ai un problème si je me fais couper ici la route. Pas du tout. Pas du tout, pas de problème ici. Bien que je pourrais redescendre un brin. Tu n'es qu'à 125, toi tu es à 125, donc toi tu viens ici. Ah, tu peux plus bouger. Tu ne peux pas venir jusque là. Ok, 165, 125, toi tu viens ici, voilà, comme ça. Ben je suis pas mécontent, je ne suis pas mécontent du tout. Bon, on va se prendre un max de danger ici, bien entendu, parce qu'il va falloir éliminer tout ce qui tourne autour, et là-bas aussi, enfin soit, je pense qu'on a bien éclaté tout. Tout le bidule, hein. On a bien éclaté tout le bidule et il me reste 428. Est-ce que j'ai besoin encore de bouger quelque chose, toi? J'ai besoin de te bouger. Oui, si je vais t'envoyer, je peux pas t'envoyer là. T'envoyer ici. Ah oui, toi, je voulais te faire revenir ici. Et le jaune, je voulais le ramener là-bas. Donc, toi, tu viens là, et toi, tu viens là. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Qu'en pensez-vous, mes enfants? Moi, je pense beaucoup de bien de ce qui vient de se passer ici. Je ne devrais plus les embêter avec les avions, donc je vais reconstruire tout de suite des avions. J'ai 428, hein, c'est ça? 428 en A7. Il nous reste, ça c'est terminé, il nous reste 2 tours, donc il me faut 100 points. Il me faut 100 points et à Hanson, je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit. Il me faut 100 points en tout et pour tout. Alors, 100 points en tout et pour tout, mais il me faut également, normalement, commencer à reconstruire pour de l'énergie. Parce que l'énergie, eh bien, on est à 224 pour 291. Donc, on va perdre près de 70 par tour. On pourrait réduire, mais qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste 600. Donc, je peux quand même attendre un petit tour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait parfaitement qu'ici, nous avons... un solar panel numéro 2. Nous avons un solar panel numéro 2
qui va nous rapporter 300 d'énergie, en plus que ce que nous avons déjà maintenant. Maintenant, il faut voir ici à combien on a déjà d'énergie. Mais ça a l'air d'aller, quoi. Déjà, toutes ces petites mains-là, on va les virer. Hein. On va les virer. Et en plus, on a encore ici un power plant. Donc, j'ai pas trop besoin de me faire de problèmes avec tout ça. Est-ce que j'ai le droit de mettre quelque chose à Wilhelmnitz? Ou bien à Fortrange? Non, tu vois, on ne peut pas. Il faut que ça soit une friendly zone. Il faut attendre encore un tour. Eh bien, les petits gars, je pense qu'on a fait une très bonne petite affaire. Bon, on continue. On continue. On va repositionner les T, vite fait, bien fait. Alors, ça, c'était plutôt une erreur, ici. Ça, c'est une erreur parce que, oui, ça empêche de descendre, mais ça empêche de monter aussi. Donc, on va enlever ce truc. On va enlever ce truc. Il n'a plus d'intérêt maintenant. Il va falloir retravailler les routes, tout simplement. Alors, le plus difficile, ça va être de les redessiner. Donc actuellement, ceci n'a plus d'intérêt, mais alors plus d'intérêt du tout. Ce truc qui descend là. Donc on va faire R. On va faire Demolish. Et je voudrais démolir ça. La route qui coupe entre les deux là. Voilà. Ok. Donc déjà, on voit plus clair. Hein. Maintenant, même chose. Je vois pas l'intérêt d'une route ici et ici. Donc on recommence. R. Démolish infra. On va démolir jusque là. Parfait. Déjà plus clair, hein, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ça va là-bas. Celle-ci devrait être démolie aussi, bien que c'est une belle route, hein, quand même. Hein, c'est de la route là. Non, celle-là, on va pouvoir la laisser. Mais je crois que j'enleverai ceci. J'enleverai cette barre-là pour ne conserver que comme ça. Donc on ferait une route principale ici, voilà. Et les autres ici, ce sont des trucs qui ne serviront que pour les trucs comme ça, quoi, hein, que pour les bidules. Donc on va mettre ici T. On va bloquer tout sauf les pull points. On va en mettre ça. Je ne sais pas s'il n'y aurait peut-être pas un avantage. Voilà, on va le faire comme ceci. Donc là, je bloque tout par là, sauf les pull points. Donc je ne peux pas construire d'armée là pour le moment, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment le besoin pour l'instant de faire ça. Même chose ici vers le bas, tout sauf les pull points. Voilà. Puisqu'on va la récupérer, celle-là. Et puis quoi? Et par après, quand on aura récupéré ceci, on coupera également la ligne là. On coupera la route d'ici à là. Voilà. On coupera la route d'ici à là. Et comme ça, on aura un petit peu de chemin un petit peu plus propre. On va un petit peu mieux s'y retrouver. Maintenant, il faut également que ceci disparaisse. Non. Voilà. Tout ça me paraît très, très, très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Beaucoup de choses à faire, à part, est-ce qu'on finit d'abord tous nos petits trucs ici? Je pense qu'on ne voit plus grand-chose à travailler. Bon, il y a ce truc-là, comme je dis, mais c'est absolument pas une priorité.
Tu restes là, t'as ton truc qui est bien protégé, tout ça, ça fonctionne, on est bon ici. Dès le tour prochain, on amènera encore, si tout va bien, on peut carrément, on peut fermer notre ligne ici, et puis commencer à... Il me faudra au moins venir jusqu'ici. Et de préférence, plutôt, faire une fermeture, dirons-nous, un truc comme ça, par exemple. Et qu'on prenne, pouf, tout le reste pour l'instant. On commencerait comme ça. Fermer notre frontière ici. Ouais, fermer notre frontière là. Et puis c'est bon. Et on va faire ça avec des tanks, normalement, puisque tout ça, c'est... Déjà, tout ça, c'est du soft. Hein. Tous ces gens-là, c'est du soft. Oui. Et les chars vont très bien contre le soft, hein, bien sûr. Hein. T'as quoi là en dessous? T'as une Dome Farm 3, ben dis donc. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Oui ou non? Je pense pas. Je pense que ces gens-là vont disparaître. À moins qu'il y ait une ville. On peut peut-être le voir. Montre-moi un petit peu. Rep, puisque c'est en real time. Montre-moi un petit peu, Vilainitz. Comment êtes-vous, les gars? Tu ne mets pas. T'en as plus qu'un de vivant. J'ai tué tous les autres. Sont tous morts. On aurait dû regarder. Ça aurait été intéressant de voir ça. Ensuite, Vilnaimnitz, il te reste quoi? Ça, c'est du trade. Mais le trade, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'économie. Il te reste, il te voit toujours 159 000 people. C'est amusant ça. Mais c'est possible hein, qu'il en ait plein à gauche encore. Mais je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Pour moi, non, il a dû se faire. Tiens, on peut voir les détails militaires maintenant dans une marque. On peut voir tous ces détails militaires. Le type de troupe, combien il y en a, hein, c'est intéressant ça. Ok, passons à donc les décisions. Il nous restait quoi? Là, que ce soit water purification, volcanique, ils sont tous au même endroit. Hein, donc, à mon avis, technologie. Donc, water et volcanique. Donc, c'est les autres. Il y a, c'est trop. C'est pas la peine de les faire. Donc, il n'y a de toute façon pas, je pense, pas de volcan. Donc, au revoir. Ça, c'est réglé. Ici, nous venons de faire, si je ne me trompe, on s'est fait un nouveau modèle de McArthurry Whip Design. Parfait. On est passé de 93 à 106. Ça aurait pu être en dessous, mais on a eu la chance. Ok. On a fait exactement le même modèle. Ouais. Et on a un bon weapon design dès le début. Par contre, l'engine, ben on est toujours aussi merdique qu'avant. Donc, moins 50, ça n'a pas changé grand-chose. Et 107, c'est pas suffisant. Il fallait 115 pour pouvoir tirer une fois supplémentaire. On n'a que 139 pour 348 contre les hards. Donc, c'est meilleur contre les. Si on se retrouve contre des tanks. Par contre, je pense qu'on est moins bon. I-139, I-215, oui, on est moins fort contre que l'artillerie, contre les infanteries, parce qu'il semblerait que la mécartillerie ne reçoive pas. Elle ne reçoit pas comme le light armor, tu vois, on n'a pas reçu les side-skirts. Donc, qu'est-ce qu'on va construire cette fois-ci? On a le bazooka, mais on va attendre d'avoir fait le EV Guided RPG. On peut se taper un petit coup de. On va attendre d'avoir l'armure spéciale aussi pour celui-ci, si besoin en est. On va se faire un modèle ici, comme ça. Voilà, touc. Alors, la différence ici, c'est 4000 de firepower pour 13 ammo, 40 métal, 20 IP. Et là, on a 6000
Mais ça coûte deux fois plus d'ammo, deux fois plus de poids, deux fois plus de métal et deux fois plus d'IP. Donc je peux avoir, si j'en fais deux pour un, ça me fera 8 000 de firepower pour, au lieu de 6 000 pour le même montant. Donc, small rocket, s'il vous plaît. Là, on est à l'arrière, on va tirer au moins à 2 cases, si je ne me trompe pas, et ça peut aller jusqu'à 4 cases quand ça sera amélioré. Et donc, à part les avions, ou d'autres qui auraient d'autres types du même style que celui-ci, oui, en contre-batterie peut-être, mais bon, je ferai attention de ne pas envoyer ça sur les mecs. On va déjà regarder avec un minimal, et puis on va regarder ce que ça donne comme poids. J'ai un total de 250 kilos. Ça n'a pas l'air d'être. Ouais, je ne sais pas ce que ça donnera. Soit c'est du 5, soit c'est du 7. Mais ouais, je pense que on va pas s'embêter plus que ça, que la différence. Ouais, 30%, 50% de différence, pardon. 50% de différence et 5 fois le fuel. Donc allez, on est reparti sur du light. Hein. Parfait. Donc là, malheureusement, ça coûte extrêmement cher de faire ce truc. C'est affreux, hein, 339, on n'avance pas. On n'avance pas, nous autres. Bon, ça c'est réglé. 413, comme je l'ai dit, il me faut combien de points en assets? C'est ça qui est important. Je ne veux plus de colonne, je ne veux pas de preview. Il me faut 100. Et puis, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc je peux faire un maximum de 3, pas de 300 traits. On va reprendre quelques munes. Si jamais 100 points de mune, ça devrait être suffisant. Voilà, je préfère être certain. D'ailleurs, on va en profiter pour voir est-ce qu'on peut vendre un petit quelque chose. Nada. Rien à vendre. 360, je pourrais vérifier. Carréca, je voudrais savoir comment tu tournes ici. Tu as besoin de. Attends, c'est ça que je veux voir. C'est 85 000 jobs. Donc on est encore bon de 13 000. Et nous avons ici 52 000. Attention, c'est quoi ça? La fire. Oui, ça c'est pas. Ça va s'arrêter, ça. Par contre, il paye 3 crédits et moi je suis à. J'ai un salaire de 3 crédits aussi. Il faut que j'augmente de 1 mes crédits. Ici, dans tous les cas. Il faut que j'augmente de 1 mes crédits. Et il faut que je diminue un petit peu, sans doute, le nombre de recrues. Ce 2700, c'est joli, mais. Ok, on va appeler notre ami. Cool. Zone order. Tu vas monter de 1. Ceci et tu vas diminuer à 2300, on a 2000 personnes, ok, et tu as tout le reste qui est correct. Parfait. Bon, ça c'est une bonne chose de fait. On vient de passer à 66. Qui est-ce qui a besoin de quelque chose? Je sais que j'ai besoin ici de rajouter deux bons hommes, mais je ne pourrai pas faire ceci à mon avis. Hein, on est à zéro de logistique. Donc on va se refaire deux. Voilà, ici, deux Abraham. Dans le 6. Voilà. Il nous faut
une motocyclette que je prends à partir d'ici. Là, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, au niveau des... Est-ce que j'ai perdu des jambes là-dedans? M. Et on va en garder deux quand même, on ne sait jamais hein, s'il restait là, mais je pense pas. Vous autres, vous n'avez plus rien besoin, vous êtes complets, tout le monde est complet pour le reste, je pense. Ok, et il reste toi. Oh, pas sûr que ce soit une bonne idée de t'être mis là, toi reviens plutôt ici. Même lui qui est pas trop bien là. Tant pis, ça c'est correct. Toi t'es tout seul, mais il ne te reste plus que 25. J'aurais d'abord dû monter là-bas, c'est pas grave. Toi il te reste quoi? Ok, est-ce qu'il reste quelque chose? 50, 0. Ok, donc on oublie tout ce qui traîne là-bas. Je n'ai plus que à modifier, à faire du replay ici dedans pour mes tous mes gunners. J'ai plus que à faire. Donc j'en ai 5 si je ne me trompe pas. Toi t'es quoi? Non. Donc il me faut 4. Non, 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 MG. Donc, 5 fois 2 MG, 298, il m'en faut 5. 40, sans problème. Voilà. Non, c'était 5, il m'en fallait 10, pas 8, il m'en fallait 10, et 200 MG2. Bon, ok, tout ça, maintenant on est bon, il ne me reste plus que 50 unités line troops normales, mais est-ce que je vais les travailler? Ça, on verra un peu plus tard. Bobek, c'est pas bon de marque. Il me faut des avions aussi. Je reviens ici, il me reste 218, il ne me faut que 100, donc 118 points, j'ai besoin de deux avions, donc deux avions, à moins que, non, est-ce que je vais lancer un autre truc, deux avions, 1, 2, combien ça coûte? 58, non, 160, c'est bon, on peut les faire, voilà, paf, terminé. Eh bien, je pense que cette fois, on a très, très bien travaillé un peu tout ce que nous avions besoin de travailler. Donc, on va commencer avec les recons, je n'en ai encore fait qu'un seul, je suis à 59%. Et on est très bien, on est très bien mis, on pourra bientôt en retravailler un aussi. Les fighters, on s'en fout pour le moment. Ensuite, on va dire Hyde obsolete, hein, bien sûr. Infanterie, on ne peut pas encore les mettre en obsolete. Par contre, les machine guns, je peux les mettre en obsolete. Normalement, il ne m'en reste plus un seul. Voilà, non. Il y en reste une, donc je te mets obsolète. Quality, obsolète, je n'en veux plus. Ensuite, et donc, merci.
Infanterie, c'est fait. Motorized, on s'en fout. Buggy, on s'en fout pour le moment. Anti-tank, je n'ai pas encore fait. De l'artillerie, 2. Je n'en ai plus de 1 normalement, donc je peux la mettre aussi en obsolète. Light armure, je n'ai plus non plus de ceci, donc je peux les mettre en obsolète. Armoré de transport, fighter, j'en ai assez fait. La motocyclette, 53. Mécartillerie, et je n'en ai pas non plus, donc je peux mettre en obsolète aussi celle-ci. Et la dernière, la machine gun, ok. Et on est à 35%, ce qui est pas assez pour faire un nouveau design, parce qu'on est déjà au maximum. 120, et on peut aller jusque 140 en tout. Mais bon, tout ça, c'est parfait. Nous avons terminé avec tout ce qui s'appelle remplacement. Toi, je peux te scraper. Voilà, scrap. Ok. Oui, je sais ce qu'on a besoin de faire. C'est lancer maintenant de notre nation les juniors. Voilà. Au moins un. Un civil. Boum. Deux, ça fait plus un applied science, ça fait 3. C'est beaucoup, hein. Boum. Et on va aller regarder ce qu'ils nous ont donné. Espérons qu'on ait des... Mais ça m'étonnerait qu'on ait des trucs sympathiques. Jamie Coal Hill, la montagne de charbon. Quand je dis que ça m'étonnerait, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les enfants. On a un petit monsieur qui est un... Que magnifique. Une ambition correcte, un égoïsme correct, un héroïsme correct. Il a 27 de cover-ups, donc moins que notre copain. On va voir les autres, pas trop vite. Archie Lewis, oui, toi tu es un niveau 1. Improvisation, 6e sens. 16 et 20, t'es vraiment pas beaucoup fort, toi, mon petit. Hein. 45 ans, c'est toi, et 80 d'ambition, en plus t'as d'autocratie. Je ne t'aime pas. Je dis ça comme ça, mais je ne t'aime pas beaucoup. Trina Idrus. Ambition 50. Égoïsme 32. Oh, et tu es niveau 3. 25, 39. Tu es bonne en gun tactique, tous ces trucs-là, oui, c'est bon. C'est là ta force, 27, non, c'est en plus ici. J'ai pas assez de monde. En tout cas, on a 2 personnes avec faible ambition. 2 personnes avec faible ambition. De toute façon, j'ai terminé, je ne sais plus rien faire du tout avec tout ce que j'ai là. Ok, j'ai plus rien, je suppose, hein, comme je me dis ici, il n'y a plus rien du tout, Carica. On va passer le tour.